Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur. Mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur et annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous, rassemblés par l'Esprit Saint. Avançons vers la maison de Dieu à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain, en attendant sa venue dans la gloire. Nous pourrons lever ces jours pendant que nous avons béni ces jours. Prions le Seigneur. Dieu, source et origine de toute lumière, en ce jour, tu as montré à Siméon le juste la lumière qui se révèle aux nations. Nous te supplions humblement, bénis et sanctifie ses cierges, accueille les peuples, les prières de ton peuple qui s'est rassemblé pour les porter à l'orange de ton nom, qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais. Par le Christ notre Seigneur. Sauvez-nous, lumière Jésus-Christ, lève-nous.
Au nom du Christ, amen. Tout le monde ensemble. Au nom du Christ, amen. Amen. Jésus-Christ, c'est le mien, éclairé dans cœur, ça caché pour me déclarer. Chaque fois le mien, ça doit faire nous. Songez tout partisan, mon Dieu qui s'annoyé. Jésus-Christ c'est lumière. Jésus-Christ c'est lumière qui éclaire l'homme. Font que lui ou être caché pour mettre éclaté. Chaque fois lumière, éclairé, ça réveille nous. Songez tout partisan. Suivez la croix, suivez la croix, s'il vous plaît. Jésus-Christ, lumière qui éclaire les gens, mon cœur lui ou être seul, caché pour me déclarer. Chaque fois, lumière, les salons et fêlons, songez tout partisan, mon Dieu qui s'allouait. Mon camaché, soleil couché,
pas jugé ni condamné. Simplement pour accepter sa vie en premier. Jésus-Christ, lumière éclairée, l'enfant qu'elle y était ça, caché pour l'éternité. Chaque fois il vient, créer sa vraie pour tout en étant, en nous tout disant, si bon Dieu ensemble,
Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière. Puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Malachie, le troisième chapitre, les quatre premiers versets. Ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare. Que vous désirez, dit le Seigneur de l'univers. Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 2, les versets 14 à 18. Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon. Et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères, pour être dans leur relation avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et fidèle, capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Parole du Seigneur. Saint-Luc, chapitre 2, du verset 22 au verset 40. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse
pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, demeurée veuve après 7 ans de mariage. Elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux, à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père, sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Bonne fête de la présentation du Seigneur au Temple. Merci. Donc, je dis, c'est une fête. Fête de la présentation du Seigneur au Temple. Fête que nous relais également la chante. Fête de la chandeleur, donc fête de la lumière. Fête ça, les fêtes, ou bien l'Église a célébré les 40 jours après la fête de Noël. 40 jours après ce grand mystère que nous avons célébré, qui c'est le mystère de l'incarnation. Nous dit fête ça, c'est la présentation du Seigneur au Temple. Nous avons dit tout, c'est fait de la purification de la Vierge Marie. Pourquoi ça n'est pas dit ça? C'est parce que depuis le 4e siècle, ils ont commencé à célébrer fête ça. Et dans fête ça, c'était une réalité dans le peuple juif pour que
yon fi ki fin enfanté yon ti moun, après 40 jours, fi sa doit aller dans temple lan pour la purifier. Pour la purifier parce que li impur. Donc c'est comme ça, loi a teye. Les noirs, par exemple, dans Lévitique chapitre 12, verset 1 à 8, il dit clair que toute fille qui baille naissance à yon ti moun, fi sa li impur. Li supposé faire ça yorele la pureté culturelle. Ça veut dire qu'il faut y aller dans le temple pour qu'il soit capable de purifier et capable d'intégrer correctement dans la société. Donc c'est ça la loi qui dit. Lorsque Marie fait ça, il aller dans le temple, ça veut dire que Marie est sujet à la loi. Elle pas mettre au-dessus de la loi. Et dans tout pays qui marche bien, il y a un état de droit qui respecte personne. Est au-dessus de la loi. Nul est au-dessus de la loi. Et c'est ça que Marie fait. Marie rentre dans la réalité pays. Il va mettre le pire que la loi. Donc, bon Dieu rentre dans la réalité pays. Donc, Jésus te dit, je suis venu, non pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi, pour l'accomplir. Donc, Jésus va mettre le pire que la loi. Ce qui fait que, maman, il allait dans ton plan pour qu'il soit capable purifier. Dans le culte, dans le rite, rite de purification, ça gagne une offrande que maman t'a trouvée. Pour offrande là, y a un monde qui est riche capable bailler un agneau et un jeune colombe. Donc toute femme qui est riche, c'est ça que bailler comme cadeau, comme offrande dans ton plan. Y a agneau et yon jeune colombe. Mais famille qui n'est pas riche, famille qui est pauvre, qui n'est pas capable de bailler agneau et yon jeune colombe, yon capable de bailler deux colombes. Et là, nous, les textes, nous voyons que Marie t'a offert deux colombes, deux touterelles. Ça veut dire que Marie n'est pas riche. Il n'y a pas de femme qui a gagné. Ce qui fait que, frère Semyo, des fois, les bons Dieu a choisi ou. Il pas regarder sous son gagné pour le choisir ou. Il pas regarder pour le sous son grand femme qui plein bien, qui plein richesse, que tout le monde après les madame et tel. Non. Bon Dieu regarder dans cœur, sous cœur. Pauvre serviteur, ou bien pauvre servante que capable bien, mais bon Dieu c'est sous cœur que le regarder. Il pas qu'il y a aucun problème avec monde qui riche, ça c'est certain. Mais bon Dieu regarder cœur, les hommes gardent apparence. Marie était en condition, babdi misérable, mais limité, parce que le patron femme qui était riche. Et pourtant, bon Dieu, c'est lui-même libre à le choisir pour capable vivre une maman petite lit. Les maris rentrent dans le temple pour qu'il soit capable de purifier. Et voilà que le bral rencontré avec Siméon et Anne. Yo dit nous, qui est-ce qui est Siméon? C'est un homme juste et religieux. C'est un homme qui t'a servi mon Dieu jour et nuit. Mais il a une espérance. Il te dit comme être là, tant pis, s'il te plaît, pas quitter le mourir, tant que le paroi, si là, qui va le gagner pour délivrer le peuple d'Israël là. Prier à monter et grâce la descendre. Bon Dieu, écoutez prière Siméon et lui exaucer, demande-lui, prière-lui. Parole bon Dieu a dit nous que l'esprit en sous Siméon. Siméon t'a recevoir tout ce monde pour qu'il était capable d'intégrer dans le peuple là. Pour être capable de purifier, maman, offrir ce monde ça, by bon Dieu, tout premier né de sexe masculin. Faut que parents te baillent dans ton plan. Et tout garçon, yo, tout mal, yo, yo te offri, yo, by bon Dieu. Donc, Siméon t'a recevoir plusieurs timoun. Mais, l'acte l'irrivé sous Jésus, animé par l'Esprit Saint, Siméon pral dit, moi content qu'on est là, parce que moi, ouais, sauveur, peuple Israël. Moi, ouais, c'est là qui vient pour délivrer, pour libérer peuple. Et il dit, maintenant,
ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Nourris les Patissa, cantique de Siméon. Frère, prêtre, sœur, en pile chrétien, tout, peuple bon Dieu, en laïque, il y a la prière, il y a fait accompli avant que nous allions dormir. Il est parti ça dans la prière là pour nous capables de citer ensemble. Cantique de Siméon, au maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Donc Siméon content parce que finalement, il ouais, c'est là qu'il va le délivrer le peuple là. Siméon était avancé en âge. Mais bon Dieu fait la grâce pour que il est capable de voir là qui va libérer le peuple là. Et les Siméon, ouais, Simon ça. Li prendre, li mettre dans bras. Certainement, la balancer, li content. C'est plus gros grâce, bon Dieu, tu es capable de faire. Et puis, il va dire, maman, où est-ce que ça, Marie? Où est petite soeur dans mon nom? Petite ça, li pral provoquer chute en Israël. Parce qu'au sujet de lui, en pile monde bral en désaccord. Et c'est ça que nous allons en pile monde bral contre Jésus. Il y a un pile de monde qui va le suivre vraiment, mais il y a une division dans le peuple là. Jésus va le dire, je ne suis pas venu pour apporter la paix. Parce que non, c'est un signe de contradiction. Un pile de monde va le soulever, une contre l'autre, maman contre papa, mari contre madame, frère contre soeur. Mais il va le dire, Marie tout, quelqu'un a une épée qui a traversé le cœur, qui a transpercé le cœur. Laisse ça, Siméon qui est en prophétisé, annoncé, Marie, ça va arriver tout le monde ça. Effectivement, nous allons, ça va arriver Jésus. Il va le prendre, il va l'arrêter, il va le martyriser, il va le mettre en couronne piquant sur tête, il va le transpercer le cœur. Donc déjà, Siméon qui dit, Marie, mais ça va arriver petit tout Jésus. Il va le pécher la tête, l'homme, même bien avec, il va le prendre petit ça. De bras le fait passer mortir. Mais c'est pour sang ça t'est coulé, c'est pour de l'eau ça t'est coulé, pour surface, l'humanité, la terre, t'es capable de laver. Marie, recevoir parole ça y est. Marie, accueillir parole ça y est. Mais peut-être qu'il est capable de comprendre rien, mais t'as médité ou un enfant cœur pour le compte qui ça, parole ça vous l'a dit. Dans le jour ça également, tu as un prophète qui c'est Anne. Je dis Anne, elle était veuve après 7 ans de mariage. Elle était veuve très jeune. Mais c'est une femme tout qui t'a servi, mon Dieu. Qui t'a mis confiance dans mon Dieu. Le travail que le débat était là, c'était la prière. Jeûner tout le temps. Lui-même, tout le temps, une consolation Israël. Et c'est tout le monde entend ça. Qui t'a demandé, mon Dieu, qui est le pour sauveur à venir? Qui est le pour le peuple Israël libéré? Mais bon Dieu, t'écoute tes prières. Ça fait me penser, frère, monsieur, dans la condition pays et tout. En pile, non, peut-être souhaiter, ouais, délivrance, peuple Haïti. Je que nous avons souffri. Peuple Israël, t'a souffri également. Mais je que nous-mêmes, nous avons souffri. Sauf que, souffrance, peuple Israël, à l'époque, t'es venu de une nation étrangère, dans l'autre pays. Dans un pays étranger. Mais, souffrance pas nous. Les vignes de propres petites, non. De propres frères, actions. C'est même haïtien qui a baillé haïtien souffrance, qui a baillé haïtien problème. Mais nous certains, même avec Siméon, même avec Anne, nous avons pour nous délivrance, peuple Haïti. Est-ce qu'on croit ça, frère? Est-ce qu'on croit que même le peuple Israël est libéré, le peuple Haïti a libéré quand même? Nous ne connaissons pas, côté sauveur absorti, c'est peut-être moi-même qui sauveur, c'est peut-être nous-mêmes, mais nous chaque qui sauveur, qui peut mettre nous ensemble pour nous libérer le pays. Ça. Mais quel que soit Jean, ça y est, peuple haïtien a libéré quand? Quand même. Eh bien, Anne Prel dit, c'est mon ça, libéral Prel l'amène, libéral proclamer louange, mon Dieu, libéral parler de Timounsa.
à tout le monde qui vient dans l'espace là, tout le monde qui dit ouais, il a prophétisé pour dire mais qui est ce monde s'abralier, c'est si la gal libéré peuple Israël. La délivrance de Jérusalem sera par lui, par cet enfant. Anne, Siméon, deux mondes, bon Dieu, t'es réservé peut-être un grand jour ça, puis t'es capable de voir merveille ça, qui c'est petit lit, qui c'est Jésus. Anne, ak Siméon, deux mondes qui t'a servi bon Dieu, deux mondes qui t'a mis cœur yo dans le service bon Dieu, dans le travail bon Dieu, t'es arrivé, ouais, merveille bon Dieu, même avant que yo mouri. Journée, je dis à Fremsem, bon Dieu a dit ou faire même Jacques Siméon, faire même Jean avec Anne. Siméon, un homme juste et religieux. Anne, c'était un monde qui t'a la prière, qui t'a jeûné tout le temps, qui t'a offert à bon Dieu. Et avant de mourir, il t'a remercié bon Dieu. Nous-mêmes, tous frères et sœurs, baillez la vie ou à bon Dieu. Jeûnez, la prière. Rentrer dans le service de bon Dieu, rempli de voir comme missionnaire, ou après, merveille bon Dieu. Ou capable, peut-être pas quoi, même avec Anne, même avec Siméon, mais quand même, de vous mettre confiance dans bon Dieu. Quand même, de vous remettre bon Dieu la vie, ou sans besoin, ou après, quand même, au nom de Jésus. Nous, chacun, là, nous avons besoin, Nous, chacun, nous avons merveille que nous voulons, bon Dieu, réaliser dans la vie, nous. Moi-même, par contre, qui merveille. Anne, c'était ouais Jésus. Siméon, c'était ouais Jésus. Ou même, qui merveille, ouvre le bon Dieu réaliser dans la vie. Bon Dieu qu'on aime, ou même qu'on aime, mettre confiance dans bon Dieu et ou après quand même. Nous dit, fait ça tout, c'est fait la chandeleur. Parce que nous faisons ça, c'est la lumière. Lumière, qui est-ce que la lumière lance? C'est Jésus. Qui sa lumière, ça vient de faire? Il vient éclairer le monde, il vient dissiper les ténèbres. Ou besoin de lumière, ça, dans son cœur. Ou besoin de lumière, ça, qui c'est Jésus. Dans la famille, on a besoin de lumière ça, dans le pays d'Haïti pour capable éclairer nous, éclairer la vie, nous, dissiper les ténèbres qui nous font cœur, dissiper les ténèbres qui nous pensent. Nous pensons trop pour nous faire mon mal. C'est travail, peuple haïtien, penser avec faire mon mal seulement. Donc, nous avons besoin de lumière ça. Non, pensez non. Qui peut éclairer pensez non. Qui peut éclairer l'esprit non. Nos besoins de lumière ça soulève nous. Parce que bouche nous en pile fois, parler frère noir que nous mal trop. Donc nos besoins de lumière ça sous pointe lève nous, sous bouche nous, pour que nous capables suspendre les monde mal. Nos besoins de lumière ça dans la vie nous, pour que nous capables suspendre faire péché. Péché soit arrêté à croix avec lien. Donc c'est lumière ça au besoin qui pour éclairer la vie ou pour capable aider au vivre dans remet. Et de vivre dans le pardon, et de vivre en état de sainteté. Frères et sœurs, nous faisons ça. On demande à bon Dieu la grâce pour qu'il soit capable tout bon éclairer la vie, non? Éclairer le cœur, non? Éclairer le pays d'Haïti, éclairer la famille, non? Trop famille, non? Dans les ténèbres, propre pays, non? Nous-mêmes, comme Haïtiens, nous mettons les dans les ténèbres. Mais bon Dieu, capable d'éclairer. On demande à bon Dieu la grâce également pour que, même si elle réalise des merveilles dans la vie, Siméon, avec Anne, pour qu'il soit capable de réaliser merveille tout dans la vie. Non? Une merveille qui sent pareil. Une merveille qui finit réaliser dans la vie. Non? Nous capable de dire oui, il y a mon Dieu. Et frère Noaxion, nous capable de dire oui, il y a mon Dieu. Une merveille qui finit réaliser dans la vie. Non? Nous ne pouvons pas vivre dans les ténèbres encore. Nous ne pouvons pas vivre dans le fer noir encore. Mais nous vivons dans la lumière. Et nous tournons la lumière. Et avec étincelle lumière, nous allons éclairer l'autre. Nous allons éclairer frère nous avec ce. Une lumière qui va le faire nous-mêmes, nous tourner. Des artisans de lumière, parce que nous avons pour nous s'émailler lumière, tout côté. Les nous dit, Jésus c'est lumière. Nous-mêmes, nous avons servi Jésus, nous dit également que nous c'est lumière. On demande bon Dieu la grâce pour nous donner une lumière véritable. C'est pas une lumière qui a mouru éteinte, mais une lumière qui a été éclairée. Et quel que soit le monde qui rapproche de côté nous, pour que nous soyons capables d'éclairer avec lumière, non. L'homme dit lumière, non. C'est dans ça qu'on a parlé, dans ça qu'on a dit, dans ça qu'on a proclamé, dans ça qu'on a annoncé, et surtout dans la façon que nous avons agi, nous avons tourné lumière pour frère, non. Lumière pour ce nom. Amen. Thank you.
toutes. Et vous n'y la frère Maxime Rio, nous allons camper pour que nous capables dans la prière universelle là, parler avec mon Dieu, aller avec mon Dieu et demander lui pour l'éclairer nous. Après chaque intention, nous allons chanter ensemble. Sur les chemins de la vie. De Dieu, afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme. Prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, afin que Dieu leur accorde de savoir maintenir l'ordre, la justice et la paix. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui cherchent à bâtir un monde plus fraternel, afin que leurs efforts soient couronnés de succès, prions le Seigneur. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Pour tous ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonné de Dieu, prions le Seigneur. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés et les personnes qui suivent la messe à travers RTA, afin que la charité règne entre nous, hâte la rencontre et l'unité de tous ceux qui croient au Christ. Prions le Seigneur. Une intention spéciale à toutes les personnes consacrées, tout le monde qui baille eux-mêmes, tout eux-mêmes, corps et âme, à la mission que bon Dieu lui-même lui confie. C'est pour lumière bon Dieu éclairer eux. C'est pour lumière bon Dieu éclairer la vie, éclairer la mission et baille eux force pour être capable de continuer à avancer. Ensemble, prions. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église. Et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Thank you.
Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église en fait te soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde. Lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple. Et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges, et tous les saints, et sans fin, nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur. Faisons ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts qu'on a recommandés à nos prières. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur toutes les personnes consacrées, sur les religieux, les religieuses, sur tous les baptisés. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur les personnes qui ont recommandé cette messe, sur les personnes qui célèbrent leur anniversaire, Andrea Volsi, Béatrice Bien-Aimée, Carl Frédéric, Christopher Zidley-Lui, Dorval Shilov, Marvins, Fatima Bien-Aimée, Ansley André Renfort, John Exilus, Joseph Anne Daïssa Danica, Kisner Thomas, Léa Payan, Lensky Lucidel, lui Alexandre Anjadot, lui, Esther, Margaret Jean-Pierre, Marie-Marcel André, Marie-Oriane Peggy-Joseph, Marie-Yves Paul, Marlou Tara Eugène, Marvel Christopher Pierre, Peterson Jossirin, Rosna Jonas, Stacy Hiller, Linda Blémy-Roselin, Yves Raphaël Senatus, Tony Jude Williams. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur les autres personnes qui célèbrent leur anniversaire, sur nos parents et amis, les bienfaiteurs, les bienfaitrices, sur nos collaborateurs et collaboratrices, les malades, les chrétiens persécutés, les personnes en difficulté, sur notre pays, sur le peuple haïtien, sur les personnes qui participent à cette messe à travers la radio, la télévision, les réseaux sociaux, et sur chacun de nous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Mon Dieu, Papa, nous, ou même qui gagne tout pour voir et qui fait yon avec l'Esprit Saint, c'est pas pour voir Jésus-Christ, c'est avec lui, c'est renom lui, pour joindre toute qualité, louange, accompliment,
Fait avec l'Esprit Saint, ça fait nous capables de dire, nous capables de citer ensemble la prière ça, que Jésus confrère, nous avons appris. Papa, non, qui est dans le ciel. C'est pour respecter, non. C'est pour reconnaître ce qui est. C'est pour volonté ou faite sur terre, tant qu'on est ciel. Père, nous besoin chaque jour. Pardonnez, je dis. Pardonnez, ça nous fait beau. Tant qu'on nous pardonne, monde qui fait nos quichons, pas quitter nos prendre en piège. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance à l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Mais qui nous dit en son Dieu.
Sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce, toi qui as comblé l'espérance de Siméon. Il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle. Oh, Jésus le Christ, notre Seigneur. N'a dit joyeux anniversaire à tout frère non ce nous qui a célébré anniversaire Dieu. Après célébration qui a passé dans salle paroissiale pour nous capable bénir Andrea Volsi qui c'est membre les missionnaires de la Vierge de la Grâce, Béatrice bien-aimée, Calfré Frédéric, Christopher Zidley lui, Dorval Chilov, Marvins, Fatima bien-aimée, Ansley André Renfort, John Exilus, Joseph Andaïssa Danika, Kessner Thomas, Léa Pan, Payan, qui est coordonnatrice au groupe Les Bien-aimés de la Vierge Altagrace, Lensky Lucidel, lui Alexandre Jadot, lui Esther, Margaret Jean-Pierre, Marie-Marcel André, Marie-Oriane Peggy Joseph, Marie-Yves Paul, Marlou Tara Eugène, Marvel Christopher Pierre, Peterson Jossirin, qui c'est une séminariste paroisse, Rosna Jonas, Stacy Hiller, Linda Roselin, Yves Raphaël Senatus, Tony Jude Williams, et tout le monde qui a célébré l'anniversaire, nous disons bonne fête. Nous avons une annonce, Frère Maxime, à partir de lundi prochain, 6 février, a gagné 3 messes en semaine. Donc gagné une autre messe qui ajouté. Nous avons gagné 2 messes, mais 6 heures, mais 7 heures. Maintenant a gagné mais 6 heures, mais 7 heures et mess midi. Il y a monde capable participer dans une dans 3 messes yo sans problème 6 heures, 7 heures, midi et ça a commencé à partir de lundi si Dieu veut, lundi 6 février. Voilà, on a campé, on a disposé nous pour que nous capables de recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vos vieilles demeures toujours. Amen. À chacun de vous, je souhaite une bonne journée et une bonne fête de la Chandeleur. Merci, mon Père. Merci. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Thank you.
chaque fois lumière, éclairer, ça doit faire nous changer notre partisan.